Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette vidéo présente une énigme appelée les contes de l'hôtel. Voici l'énoncé de l'énigme. Vous êtes un amateur de virer entre amis et vous décidez de louer une chambre d'hôtel à trois. Cette chambre coûte 30 euros et vous vous partagez les frais équitablement, soit 10 euros par personne. Le réceptionniste vous trouve sympathique et vous offre une réduction de 5 euros. Malheureusement, 5 euros ce n'est pas divisible par 3. Ainsi, il vous offre à chacun 1 euro et, le trouvant également sympathique, vous lui laissez les 2 euros restants. Donc au final, nous avons 9 fois 3 euros plus 2 égale 29 euros. On vous demande où est passé le dernier euro. Voilà, je vous propose d'appuyer sur pause pour réfléchir quelques instants. Voici le corrigé. Alors, il y a une histoire de confusion là-dedans. Dans les 27 euros, donc les 3 fois 9, les 2 euros sont en fait déjà compris. Je m'explique. En effet, l'hôtel reçoit au départ 30 euros. Nous sommes bien d'accord, 3 fois 10 euros. Ensuite, le réceptionniste fait un cadeau de 5 euros. Dans ces 5 euros, il y a 3 pour les amis et 2 pour lui. Le total, donc, revient à 25 pour l'hôtel, donc 30 moins 5, plus 2 pour le réceptionniste, et 3 pour vous, ce qui nous donne 25 plus 3 plus 2, égale 30 euros. Voilà.